Alors Muriales, est-ce que ce temps catastrophique va continuer? Mais il faut savoir quand même, Joseph Poli, qu'une tornade de cet ordre, une mini-tornade de cet ordre, est impossible à prévoir. Cela dit, il y a quand même quelque chose de pourri au royaume du ciel en ce moment, et effectivement, le temps va être extrêmement maussade demain. On avait prévu une série d'orages sur le sud-ouest et sur le sud-est. Aujourd'hui, ils se sont produits, et effectivement, cette mini-tornade était inattendue. Mais demain, ça va un petit peu s'améliorer sur le sud-ouest en tout cas, mais pas sur le sud-est, où il y aura un certain nombre de nuages. Je vous propose de regarder maintenant la carte du temps prévue précisément pour demain. Donc, beaucoup de nuages un petit peu partout au nord et à l'ouest. Un temps variable et instable va dominer. C'est encore du sud-ouest, au centre et au nord-est, que le ciel sera le plus clément, donc dans cette région qui a été touchée cet après-midi. Quant aux températures, et vous voyez donc que le sud-est va être touché par des orages assez importants. Quant aux températures, elles seront en baisse, et pour cause, bien sûr, moins d'ensoleillement. Elles devraient se situer autour de 14 à 19 degrés sur le nord de la France et 16 à 21 degrés au sud. Ça n'est donc pas très réjouissant, mais la fin de semaine devrait se présenter un petit peu mieux. En tout cas, on peut y rêver.